Coucou mes chouki-chouki! Ben recoucou, comment vous allez? Vous allez bien, bien, bien? En doudou, commence pas! Attends, je me reviens. J'ai pris pour l'escalade de la cage à Totoro, je vous jure. C'est bon, attends, j'éteins la lumière, ça fait quoi? Bon, c'est bon, je suis pas obligée de la mettre. Ça passe. Est-ce que vous avez bien, bien, bien mes chouki? Un petit peu de musique. Oui, je suis désolée, j'ai un petit peu de retard. C'est mes beaux-parents qui m'ont appelé. La semaine prochaine, on part un long week-end. On a un grand week-end. Alors du coup je vais streamer lundi, mardi comme d'hab. Par contre mon chéri sera de l'après-midi. Du coup le jeu ce sera pas au soir, ce sera en fin d'après-midi. Et je pars jeudi après-midi. Du coup je pourrais encore faire un live jeudi matin. Du coup je vais préparer tout ça après. Là on va commencer à faire les fonds. Vraiment Ben. Alors, ça va, écoute, t'as su te lever? Du coup, bah, il y a le fond qui est là. Je vous fais montrer, mais moi, bon, je vais pas le faire, quoi. Je vois à peu près le truc qu'elle veut faire montrer. J'ai une deuxième commission à faire. Ah oui, et quoi? Comme commission?
Moi, je me suis levée à la bourse, c'était juste. Bah, tant que t'es arrivé pile poil, c'est bon. Ah, ok. Moi, du coup, je crois que pendant mon long week-end, je prends des colos. Bah, je vais faire des marque-pages pour Noël. J'en ai quand même pas mal à faire, je crois que je vais prendre ça. Du coup, je sais pas, on fait cela ensemble ou pas? Sinon, ouais, vous faites ça avec des jelly rolls, les petits points. Non, pas ce week-end, non, ce week-end là non plus, je suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Je pars demain après-midi. Ouais, j'ai lu vite fait ton message, j'ai pas vu après. J'ai préféré lancer vu que j'ai déjà été un petit peu en retard. Non, pas le soir, mais. Et cet après-midi, t'es là ou pas? Comme ça, si des fois tu joues Animal Crossing cet après-midi, on joue ensemble. Je vais tester le DLC. Alors, ouais, du coup, ça peut faire un joli fond, mais je trouve que c'est trop garni. Moi, je ferais moins d'effets. Ah ouais, on verra bien, ouais. Déjà, j'ai même pas eu le temps de faire mon sport, du coup, je vais le faire après le live. Faudra que je me motive. Hein. Ondine, tu l'as fait, toi? Du coup, j'ai envie de passer aux montagnes. Faire un effet montagne, ça peut faire beau sur un colo. Parce que là, j'ai rien en fait pour vous faire montrer comment je pourrais faire le fond. Mais vous voyez, vous faites ça plus ça et puis ça fait un effet comme ça quoi. T'as fait ton sport? T'as bougé ton cucu? Ah Laura, c'est bien. Moi, il faut me motiver hein, dès que j'arrête le live. Bah, on va se motiver à deux après on dîne. J'ai pas eu trop le temps. Du coup, pour l'effet montagne, je voudrais le faire au néocolore et je vais essayer aussi au gelatos. T'as fait ton sport aussi, Ben? T'as repris? C'est bien. Tout le monde est motivé. T'es con. Oh non. Bah bravo. Du coup, parce que les fonds en crayon de couleur, je trouve ça trop long. Bah c'est bien, tu fais du sport en même temps avec ton chien. C'est pas mal. Ouais, mais c'est con, il va être musclé qu'un bras. Il faut changer un peu, hein. Il faudra changer un peu de bras. Vraiment Stitch. J'ai pas confiance. Chut. J'ai fait une micro-sieste, c'est un peu la digestion, t'as bien raison. Ouais, alors.
Je vais commencer par quoi? Après, il y a le fond là. Après, il y a des fonds avec les herbes et les buissons. Et après, il y a un fond comme ça à faire. Remaquette. Bah, par contre, ouais, je fais pas avec du thé, hein. Je vais le faire avec les crayons que j'ai. Allez, on se lance. On tente les montagnes. Allez, on tente. Les montagnes. avant, je devais te faire montrer un truc, Stitch, non? Pour les pastels secs. Attends, je vais les chercher. C'est exactement les mêmes que les tiens, sauf que j'ai la vieille boîte. Vu que ça fait longtemps que je les ai. Tu veux que j'utilise. Je t'ai fait montrer avec quoi? Avec ce que moi j'utilise? Les deux? Tu utilises avec quoi toi du coup? Moi j'utilise avec des éponges. Désolée pour le bruit. Avec des éponges à doigts ou les. C'est le bordel là-dedans. On a trop de matériel. Je vais m'en sortir. Ah, du coup, tu veux que je te fasse montrer avec des fards à paupières, c'est tout? Ah non, je m'as dit les deux. Attends, je vais te faire montrer. Oh, je l'ai remis à l'envers, tant pis, c'est pas grave. Ouais, tu vois, j'utilise ça. Après, j'ai quand même sorti mes aquarelles si j'arrive quand même à faire. J'ai testé les petites encres que j'ai achetées à Action. J'aime bien le jaune là. Je rigole. En fait, je viens de prendre. Il faut pas placer directement le pastel sec dessus. Oui, pour faire montrer à Stitch, vu qu'elle en a acheté, elle veut que je fasse montrer un peu mes techniques. Avant de commencer le fond. Bah, les fonds. Du coup, moi, ce que je fais, je prends directement sur la palette. Par exemple, on va prendre du violet. Tu vois. Mais toi, ça fait, comme je t'avais dit, ça fait. Non, en fait. Moi, ça. Ouais. Non, je crois que lui, il faut plutôt. Là, j'ai foutu mon. Je vais prendre un ciseau. Merde. Avant, je faisais comme ça, non? Je me rappelle plus. Maintenant, je fais tout à l'éponge à doigts, du coup. Mais ça, c'est relou, cette technique. Maintenant, fous partout, en fait. Voilà. Ouais, c'était comme ça avec celle-là. En fait, avec le. Le pinceau fard à paupières, tu m'étales la couleur dessus en grattant avec un couteau ou un ciseau.
Et ça fait tous des effets nuageux. Bah comme le coton-tige en fait du coup, non? Attends, je vais essayer avec le coton-tige. Oh, mais c'est un bordel ici. Je trouve que ça doit faire le même effet qu'avec un coton-tige. Ouais, tu vois, le coton-tige, j'aime pas. J'aime pas, c'est moche. J'ai peut-être pas mis assez. Par contre, pour le pas. Ouais, il faut le fixer, ouais. Il faut le fixer avec un fixatif. Ouais, ça, c'est par contre, ouais, c'est relou, je trouve. En fait, avec le coton-tige, il prend moins de pigments, c'est ça qui est relou. Ouh. Par contre, tu vois que le pinceau, au moins, il prend. Hop. Après, tu dis ça, mais si tu veux faire un. Le pinceau, ton pigment, ça va dedans. Pourquoi vous faites comment vous quand vous posez de la pastel? Ouais, c'est mieux avec le pinceau, ouais. Puis ça passe aussi hein, pour faire un grand fond. Hein. Non, pas le coton-tige, non, c'est. Comme t'as vu, ça marche pas du tout. Hein. Où tu utilises mon petit truc que je kiffe. Je vais la frotter sur la truc, la pastel. Et ça fait plus pâle. Si tu veux vraiment un fond léger. Ça fait deux techniques différentes. Pastel, je le pose sur le côté. Tu le casses. Non, non, il n'y a pas de place, Doudou. Il n'y a pas de place. Il y en a d'autres que ton éponge que je pourrais utiliser. Je crois que des disques démaquillants, non? Je sais pas, j'ai toujours fait avec ça en fait. Quand j'ai testé les éponges à doigts, j'ai kiffé. Parce que je trouve que ça, tu vois, c'est trop foncé. Et puis que ça, que je trouve que. Ça fait plus pastel. Pour les fonds, je trouve ça plus joli. Pose-le avec ton ami. J'en ai toujours, mais... Trop sale. Ouais, c'est ça qui est chiant, le pastel sec. C'est... Voilà, t'en fous partout, c'est chiant.
Ça dépend comment ils sont tes éponges. Si les éponges sont plus comme ça va ressembler à ça en fait. Là, ça fait vraiment un. Ça fait. Je sais pas comment. C'est tout doux en fait, on dirait. C'est pelucheux. Tu frottes avec ton doigt sur le bâton. Ah ouais, non, j'aime pas. Je suis gnagna, mais. Après, je n'ai plein les doigts, j'aime pas. Bon, de toute façon, j'ai plein les doigts. Ouais, tu fais ça, moi aussi avant je faisais ça. Mais j'aime pas, ça fait des défauts. Je suis pas fan. Alors après, ça peut faire des effets. En fait, plusieurs matériels font des effets. Ouais, je crois que le Woody Blender, je crois qu'il ressemble plus à une matière comme ça. Je sais pas c'est quoi comme matière exactement. Celui-là, il est tout nu, il n'y a rien. C'est. Je sais pas. C'est vraiment une éponge. Bah, c'est des Faber-Castell. Non, je crois pas que c'est une bonne gamme, les Faber-Castell. Après, toi, ça fait un effet différent. Ça dépend ce que tu veux. J'ai des disques pour fond de teint poudre. Ah, peut-être. Oups. C'est pas grave, Kat. C'est moi, c'est rare que j'ai quelque chose de bas de gamme. J'aime bien tout ce qui est. Ouais, tu vois, et puis. Moi, j'ai vite laissé tomber la pastel parce que, après, c'est une vraie merde. Ah bah ouais, je sais aussi, c'est une bonne marque, Faber-Castell. Ouais, après tu fais des. En fait, il faut essayer avec plusieurs techniques. Et en tout cas, je sais que. Après, ça dépend aussi des goûts. Moi, j'adore vraiment l'effet comme ça. Ça. C'est vraiment doux. Ah oui, mais c'est même toi qui as dit que les. Ce que j'ai, les cas. Les stabilos, ils étaient mieux que les crayons Pitt, non? C'est pas ça que tu disais? Bah ouais, moi j'aime bien tout ce qui est pâle. Pour les fonds en pastel, j'aime bien ce qui est pâle. Les Carbotello, ouais, voilà. Ouais, n'hésite pas. Fais des essais avec les matériels que t'as. Et tu verras bien laquelle technique elle te plaît. Je vais jeter ça. Bon, je vais ranger après. Ça va aller là pour le moment. Ah ouais, ils sont bien pigmentés ceux-là? Non, par contre, tout le pastel, le. C'est pour ça que j'ai voulu prendre des gélatos. Qu'elle s'en fout partout. C'est trop relou. Le prix est beau aussi. Ah ouais, mais c'est top. Poudreux est très doux. Ouais, mais ouais, bon, voilà. Pour ceux qui veulent aller dans le pastel, moi je t'avoue que. Je suis pas très fan des pastels. Les gélatos sont 10 fois mieux quoi. Après, c'est chacun ses goûts. Du coup, je vais essayer un coup à la coiffe.
Par contre, là, je trouve que c'est trop petit, je vais pas le faire dessus. J'aurais jamais eu un fond aussi petit. Du coup, je vais tester directement sur mon brouillon. Par contre, il faut que je trouve les bonnes couleurs, du coup. Ah! Alors, je vais quand même prendre un blanc. Par contre, je vais pas prendre des couleurs métalliques. Prendre tous les tons de bleu. Donc il y a tout Stitch. C'est vraiment cher à ce point-là. Mais non, c'est pas des baumes à lèvres. C'est des gélatos. C'est vrai qu'on dirait des baumes à lèvres. Celui-là aussi est pastel. Ouais. Bon. Je sais pas si je vais réussir hein. Faire des effets montagne. Jamais fait. Je sais pas si je pose comme ça ou peut-être avec un crayon. Bon, on teste, hein, de toute façon, on verra bien. Ah, vous voyez pas tout. C'est quelle couleur? C'est le boy. Okay. Je crois que ça va être plus facile à l'aquarelle. Hein. Je crois que je vais faire à l'aquarelle. Ça ressemble à rien sinon. Un pastel 16, une carte. Ah oui! Attends, 40 pastels secs, c'est 48 euros. Ouais, ça va. Ouais, j'arriverai pas avec les pastels. Ouais, je laisse tomber avec les gélatos, j'arriverai pas. 40 demi-pastels, ah ouais. Carrément. Après, ça va avec un bloc de pastel, tu vas quand même assez loin. Après, ça dépend comment tu l'utilises aussi. Ouais, bah, celui-là, on laisse tomber, il est raté. Je crois que je vais pas réussir. Ok, j'ai enlevé tout ce bras. La peine si t'aimes beau. Ouais non. Je crois que je préférerais plus à l'aquarelle. Ça va faire plus beau, je pense. Par contre, il faut que je prenne mon nuancier. Ah bah, c'était ton ennemi. Ah oui. Ah tu m'étonnes que t'hésites.
Alors, il y a un peu. Il y a un peu de bleu. Je sais pas comment je pourrais faire ça. Après, je me lance dans ça, j'ai jamais fait de l'aquarelle. C'est bien, Amandine. Moi, j'ai tout acheté mes cadeaux de Noël, mais voilà, j'ai plus rien pour moi du coup. Quand vous faites un dessin à l'aquarelle, vous faites des traits pour vous repérer? Bon, maïs à toi. Mais du coup, les traits, ils se voient pas aussi, ils se voient aussi, non? Désolée, je pose pas une question parce que c'est tout nouveau pour moi. Alors les fonds, je fais comme d'habitude. Du coup, là, vu que c'est un petit peu plus poussé, tu dois même jamais mettre. T'as jamais mettre ton raison au milieu de ta feuille. Au-dessus ou en dessous? Bon, on va essayer. Alors, 661, 161. Je vais prendre le 260 aussi. Vais prendre le bleu indigo. C'est déjà avec ça. Tu sais quoi, demain, tous rendez-vous chez tes parents et Kat nous fait une démo. Ça, tu mets plus le ciel. Oh là, pourquoi tu vois, je veux pas faire d'aquarelle, c'est trop compliqué pour moi. Bah, je vais essayer de faire à ma manière, si j'arrive pas, bah tant pis, c'est que voilà, je suis pas faite pour l'aquarelle. En plus j'ai bougé mon. Vous voyez sombre, non? Voilà, j'ai mis à fond. Ah bah ouais, carrément. Bon allez, je me lance. Mais je suis plus à l'aise avec des crayons de couleur, on voit pas. Pas avec ce petit type de gamme. Bon, il faut que je me pousse, hein. Parce que j'aimerais bien tester d'autres matériels, de matériaux. Ouais, je vais essayer, on verra bien. Moi, je t'avoue, il faut.
Pour moi que j'apprenne un truc, il faut que je regarde des vidéos. Par parole ou par truc, je suis tellement nunuche que. Bah, je veux dire, je comprends mieux en fait quand je vois la personne faire. Quand c'est des mots, c'est trop compliqué pour moi et voilà, ça chauffe vite et je me perds alors que y a rien à me perdre là-dedans. On verra bien. J'essaie de me laisser emporter en fait. On verra bien ce que ça va donner. Vous arriverez, je suis sûre, hein, mais je suis pas douée, moi. Oui, c'est pas pareil. Ça donne quoi du coup comme avec le comme avec le pinceau à éponge? Bah le pinceau à fard à paupières. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hein. En plus, j'ai fait avec le foncé, c'était pas sûr que j'avais fait. Non, je trouve que des fonds comme ça, c'est plus beau à l'aquarelle, non? Ah, excuse, j'ai cru que c'était Stitch qui avait. Vous êtes à deux en bleu, du coup ça me chamboule. Du coup, j'ai cru que c'était Stitch qui disait, j'ai testé avec le body blender. Et du coup, ouais, c'est pas pareil. Mais non, en fait, ouais. C'est bon, j'ai vu que c'était 4. Je vous dis, je suis fatiguée en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je vais me faire du bien un week-end chez mes parents. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais je suis pas confiante. Parce que tu vois, on a des crayons de couleur, des cahiers. Non. Des colos pas assez épais pour faire de l'aquarelle, je trouve. Complètement pas gérer l'aquarelle, moi.
T'as mis sur ton Didi? Jouer avec ma lampe devant. Oh, ça va, ça fait joli. Ouais, c'est voilà, ça fait beau, j'aime bien aussi. Mais ça va, c'est pas trop chiant à l'utiliser avec l'éponge. Non, ça fait moche la partie là. Non, j'aime pas. J'arrive pas, c'est nul, c'est moche. En fait, j'ai gratté un peu la pastille. Non, je crois que les montages, je vais le faire au crayon de couleur. Parce que non, j'arrive vraiment pas à l'aquarelle. Je sais pas gérer l'aquarelle. J'espère que vous arrivez de votre côté, mais je crois que celui-là, je vais faire un crayon de couleur. C'est mort. Je pourrais jamais refaire ça sur un colo, je vais tout bousiller. Ouais, je sais, je crois que c'est parce que j'aime pas. J'en sais rien, je sais pas, j'aime pas. C'est. Je sais pas. J'arrive pas en fait à gérer l'encre et l'eau. Tous les crayons, tu sais où placer tes couleurs, tu sais ce que ça va donner. Mais l'aquarelle, non. Tu sais pas, c'est surprise. Je trouve qu'il faut vraiment beaucoup d'entraînement et beaucoup de technique pour faire de l'aquarelle. Mais moi, pour l'instant, j'arrive pas. Après, j'ai mes Sakura, quoi. Oui. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai pensé, Ondine. Bah ouais, c'est ça qui est long et. Voilà. On a qu'une vie, mais bon. On va pas les bousiller. Casse-toi, t'es moche. Puis tu vois, mais pour l'aquarelle, je trouve qu'il. Comment doser pour avoir plus, pour avoir moins, pour faire des effets? Elle est belle à ma boîte! Mais bon, ils sont bien, hein, les Sakura, je les aime bien. Mais tu vois, c'est ça. Je les aime bien, mais je sais pas les gérer, c'est chiant. Bah, chez les. Assez les. Oh putain.
Je sais quand même bien les gérer sur un colo. Bah, assez. On va dire, je suis là à l'échelle, quoi. Mais vraiment, faire l'aquarelle, mon dessin, j'arrive pas. Quand même, je vais me lancer pour faire des montagnes, je vais pas réussir. Je le sais déjà de base. Par contre, là, tu vois, je sais pas par où commencer. Je sais pas si je dois faire le foncé, le clair, attendre que ça sèche, remettre une couche. C'est ça que. Oh, il est trop beau ce bleu. Il faut que je regarde des vidéos pour m'entraîner. Et tu vois, là, pour moi, c'est trop mouillé. Par contre, j'aime bien ces sauts. Quand tu mouilles et que ça fait des effets comme ça. Ah, je dois mettre ma couleur avant sur la palette. Comme ça? Non mais ça va être ouais c'est fort liquide, c'est fort fin je trouve. J'essaye la base du dégradage, mais. Du dégradage. Je sais pas si ça se dit. Je suis vraiment une personne qui débute dans l'aquarelle. Je sais pas du tout les techniques qu'il faut faire, j'en sais rien. En fait, j'ai. Je sais pas. Je sais pas comment vous dire ça. Que mon père dit que je suis pas assez patiente. Ouais, mais c'est ça, tu vois, je dois attendre que ça sèche pour faire le foncé. Ça me saoule. C'est chiant. Là, tu vois, j'aime bien l'aquarelle, mais je suis nulle à chier. Je sais pas. Peinture, oui, il faut savoir patienter. Pardon. Un brin. Non, mais il faut que j'apprenne. Il faut vraiment que je trouve des tutos pour apprendre l'aquarelle. Ouais, ou alors regarder des vidéos. Comme j'ai fait en fait avec mes dessins, quoi. Bah, c'est ça, bah, c'est parce que aussi là. Il me reste à peine 1 heure pour. Même pas. Je me speed en fait. Et la couffe. Ouais. Tu vois. Je crois que c'est pas pour moi l'aquarelle en fait.
Je vais quand même essayer d'apprendre, voir des tutos, mais je pense que c'est pas pour moi. Parce que je trouve ça trop long. Je vois pas ce que je peux faire. Fais-le au calme. Ouais, je te dis, je ferai mon côté. Je vais pas apprendre avec vous parce que vous allez, je suis en train de vous faire montrer de la merde là. Non, mais c'est quoi cette nano là? Après, ça reste une belle boîte. Voilà, ça fait. Mon chéri, il me l'a acheté il y a des années déjà. Mais voilà. J'ai peur. J'ai peur en fait de me lancer. Je sais pas. J'ai peur. Et moi, justement, pour le collage, j'utilise aquarelle. Plus vite et surtout économiser des crayons. Ah non, non, tu m'embêtes pas du tout, Kat. Oh non, non. Oh non, loin de là. Oh non, tu me perturbes pas. Au contraire, tu m'aides. Bah, t'essayes de m'aider, ça me fait plaisir. Mais c'est que c'est moi, il faut. Je suis quelqu'un de têtu. Et j'apprends en fait en regardant et en reproduisant pareil en fait. Du coup, merde, j'ai oublié de ranger mes trucs. Sinon, j'y arriverai pas. J'ai toujours été comme ça, même pour apprendre mes cours. Quand j'étais encore en cours, à l'école, je vais écrire, écrire, écrire pour retenir mes leçons. Et ouais. Comme mon petit frère il dit, j'ai à côté. Je sais plus ce qu'il disait, mais. J'ai à côté qui est plus l'autre niveau visuel, un truc comme ça. Il me sort des trucs des fois. Trop chelou. Quand tu fais de la peinture à l'aquarelle, tu dois être un peu plus précise et faire attention au dégradé. Et tout ça, mais. Ouais. Ouais, je vois. Ouais, mais. Je ferai mon côté dès que j'ai le temps, en fait. Ou après, je peux le faire avec vous. Je vais faire un colo à l'aquarelle. Totalement à l'aquarelle. Je mettrai une vidéo, mais vous verrez pas. Parce qu'après, j'ai peur que ça coupe niveau truc. Niveau YouTube, j'ai peur qu'il me coupe. Voilà. Le son. Et on fera ensemble. Au pire, comme ça, si des fois tu dis non, Nufi, fais pas comme ça. Fais plus comme ça ou plus comme ça. Parce que vous êtes quand même des pros au niveau aquarelle, vous GG quoi. Elle gère bien l'aquarelle? Malade toi. J'ai trop peur de noyer la feuille moi aussi. Ouais si, je crois que je vais peaufiner tout ça avec vous. Oh. Hop, voilà, on en était où? Du coup, je vais prendre mes fonds de couleur, ça tout bordel. C'est pour ça, tu vois, j'aime les crayons aquarelles parce que je dessine avant. Du coup, je sais ce que ça va donner. Par contre, l'aquarelle, c'est totalement totale surprise. Je sais pas ce que ça va donner. Tu vois, c'est ça en fait qui me fait peur, que j'ai peur de me lancer. Et que je fais n'importe quoi.
ça aussi qui joue, c'est la texture du papier. Si tu prends pas un... Je sais pas comment dire ça. Je crois que j'ai vraiment peur en fait. J'ai vraiment peur de me lancer dans l'aquarelle. Du coup là je suis bloquée. Je suis frustrée, j'aime pas. J'aime pas cette sensation. Ça me saoule. Alors. Après, c'est quoi le fond? Encore, tu vois ça, l'herbe à l'aquarelle, je crois que ça passerait. C'est vraiment en fait ce niveau détail que je sais rien, je sais pas. Donc tais-toi, Nufi, tu fais. Voilà. Vas-y, fais tes montagnes tranquillement. Pourquoi j'ai tenté? Voilà, maintenant je suis toute. Je savais que j'allais pas réussir, mais. Alors, 1103 902. Treize, 113. J'ai jamais utilisé ce crayon. Fille, comment vous l'effet poil? Hein? Ah, comment vous faites l'effet poil? Ah, tu veux quand même savoir du coup? Ouais, je crois que tout à l'heure t'avais dit que t'avais réussi. Sinon, ouais, j'ai un beau poil. Ah, peut-être t'as confondu que bois. Parce que ouais, tout à l'heure j'ai demandé si t'as réussi à faire ton effet poil, t'as marqué ouais. Du coup, t'as peut-être confondu bois et poil, parce que là en ce moment je parle comme une neige. Du coup, je te comprends. Effet poil, attends.
Alors, non, ça c'est pour les effets poils. Ça dépend si tu veux les poils courts ou longs. Ouais, après, ouais, t'as fait ta court et long. Moi, j'aime pas cette technique aussi. Moi, je l'ai fait. Alors, je vais essayer de prendre aléatoire comme ça. Alors, je vais prendre du crème. Je vais prendre un marron clair. Un marron foncé. Et un sépia. Je te fais montrer en forme de rond. Attends, je vais peut-être te zoomer pour que tu vois mieux. Il change. Ah ouais. Bah alors, pourquoi il bouge pas, le con? Il a bougé ou pas? J'ai pas vu. Ah si, ouais, c'est bon. Appliquer, ok. Voilà. Pardon. Pardon. Non, je sais pas, je suis contrariée, du coup, ça y est, je suis perturbée. Ouais, d'abord, je passe une base claire. Ah, fais pas attention, les couleurs, j'ai... En fait, je passe une base claire tout le long de la bête, comme le renard que j'ai fait. Et sur chaque au moment où comment expliquer ça? Parce que c'est genre mon dessin, en fait, il n'y a pas de forme, c'est juste un rond. Bon, voilà. En fait, je fais tous des petits traits comme ça. Sinon ça se voit pas, on voit pas assez. Attends. Peut-être éteindre la lumière. Ça a tout cassé. Mais pourquoi tu... Et c'est pas ma journée, je crois. Oh, c'est mon doudou qui a joué avec. Et il est relou. Oh non. Je suis désolée, ça fait du bruit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je crois que la lumière elle servira à rien de toute façon. Hop. Ouais, je vais juste la mettre au-dessus comme ça. Le bêtisier, non mais je te jure. Oh non, mon truc est parti du coup. Et si je mets celle-là? Non mais... Puis en plus on voit rien.
sais même pas si ça va se faire. Je crois que je vais renommer le live, j'ai marqué c'est du n'importe quoi. Puis franchement, j'ai vraiment fait de la merde sur ce. Te jure. Et bon, en tout cas, y a pas de bouffe. J'arrive pas à faire sur un rond. Attends. J'arrive pas. Je vais te faire montrer son dessin que j'ai fait parce que. Je suis désolée, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Allez. Je vais te faire montrer peut-être plus près, tu vas peut-être mieux comprendre mon effet poil. Ouais, je crois que c'est la fatigue, je crois que je commence à. Je crois que ça va me faire du bien un week-end chez mes parents. En fait, j'ai passé la première base. Après, tu vois, t'as le combo que j'ai mis avec. Attends, je voudrais que tu zoomes et que tu fais pas de flou, s'il te plaît. Quand même que j'ai payé cher et. Qu'elle est nulle à chier. Ah, mise au point. Peut-être un peu mieux comme ça, non? Nemo, excusez-moi. En fait, déjà sur ce colo, j'ai utilisé pas mal de couleurs. En fait, j'ai fait la première couleur la plus claire, du coup. Celle-là. Le crème. Sur tout le long du corps. Après, il y a le. Du coup, j'ai pris le. Ouais, voilà, la couleur suivante. Et j'ai fait tous des petits traits partout, partout, partout. Mais tu vois, au sens de l'animal. Tu vois, comme ici, j'ai fait des traits comme ça. Là, pareil, j'ai fait des traits comme ça. Hop, tu vois, en suivant ses courbes. Et j'ai fait pareil à chaque. Avec chaque couleur. Le sens du poil, ouais, voilà. Comme là, tu vois, ces cuisses, vu que ça fait comme ça, j'ai fait des effets poils comme ici et comme là. À peu près comme on disait, comme on fait à peu près les effets cheveux. Par contre, je fais pas exactement comme les effets cheveux, parce que. Comment dire? Je suis nulle à expliquer, surtout en ce moment. En fait, l'effet cheveux, tu fais ça. Cheveux, tu fais ça. Je fais vraiment du vite fait. Tu passes la base. Tu fais ça. Tu fais ça. Toi, après, chaque. Voilà. Voilà. Par contre, pour l'effet poil, c'est pas du tout pareil en fait. Là, t'as ta première base et après tu fais des poils tout le long.
Ouais, c'est vraiment moche. J'espère que t'as compris avec mes explications de brin. Mais bon, c'est vrai, t'as compris, Steve? Je suis désolée, je suis vraiment pas en forme, je sais pas ce que j'ai. Mais attends, regarde, de toute façon, je vais te faire montrer la différence. Je crois que j'ai un livre avec un effet cheveux. Regarde, que je te fais montrer. Ça, c'est un effet cheveux. Un effet poil, tu vois, c'est pas du tout pareil. Hein. Faut vraiment faire des tout petits traits. Après, je t'avoue, je crois que j'ai quand même utilisé pas mal de couleurs. Je sais pas si j'ai fait déjà des effets poils, je pense pas. Bah tant mieux, Stitch, si t'as compris avec. Il faut s'entraîner, c'est comme moi avec l'aquarelle que j'arrive pas. Et après t'es frustré et ouais voilà, t'es frusti. C'est vrai. Ouais si je suis pas en forme. Bah carrément, j'ai trop chaud, je galère. Ah moi je suis pas. Je crois que je suis frustrée en fait que j'ai pas réussi à faire à l'aquarelle, du coup. Toi t'as. J'ai un drôle de sentiment en moi et ça m'énerve. Je suis toute. Je dirais déçue de moi, tu vois? J'aime pas cette sensation. Ouais, voilà, c'est ça. Arrêtez, j'ai n'importe quoi.
C'est vrai, au sol. Ah bah je compatis parce que là j'aime pas. J'ai presque envie de chialer, n'importe quoi. Je suis loin, ça me saoule. Je crois que je vais arrêter l'homme et Chouki. C'est du n'importe quoi ce live. C'est parce que c'est peut-être trop compliqué pour moi cette montagne. Ouais, et puis en plus il y a quelque chose qui me perturbe là. Enfin, bref, je crois pas qu'il y aura de rediff à part celle-là. Bon, peut-être. Il m'embête, il me dit t'es nul. T'es un gros caca mou. Et vous m'avez convaincu, je crois que je vais laisser pousser mes cheveux. Je crois que je vais enlever ma. Bah, pas enlever ma chienne, je peux pas l'enlever comme ça. Mais je ferai plus de franges. Non, j'ai pas de live ce soir, ma Stitch. Je suis en week-end. Je reprends dimanche soir pour Animal Crossing. Je suis désolée, ça vous embête pas qu'on reprend plus tard? Les fonds, je referai un tuto. Mon chéri, il l'apprend la semaine prochaine. Je referai le tuto lundi. Je suis vraiment désolée, mais je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien là. Je sais pas. Ça fait... Après, vous pouvez, hein, y a le Didi pour. Hein. Moi, je vous avoue que là, je crois que je vais rester dans mon coin pendant un petit moment. Je suis vraiment désolée. J'étais contente et tout, je me dis allez on va tenter et tout, mais à chaque fois de toute façon je le sais en plus. Hein, à chaque fois que je commence l'aquarelle, bah voilà j'ai ce sentiment là. Et j'aime pas ça. Ça m'énerve. Ouais. Je me sens comme un. Comme un caca. Après, j'ai peut-être pas. Ouais, après, peut-être l'aquarelle, c'est pas pour moi. Hein. Puis c'est tout, hein. Bon, après, je crois que je me suis pas appliquée, j'ai fait n'importe quoi. Bon, je ferai comme toi, Ondine, comme tu fais avec tes colos. La prochaine fois, je crois que je vais faire la base à l'aquarelle et après faire les détails au crayon de couleur. Ah bah si tu l'as foiré, moi, tu m'étonnes que je le foire alors.
Je les fais au crayon de couleur et ça ressemble à rien. Et si tu crois qu'on fait comme toi, tu fais sur tes Kirby, que tu fais de l'aquarelle et les détails au crayon de couleur, ça peut faire pas mal, non? On fera ça lundi. Ouais, vu qu'on est que. Vu que je stream à. Que. Lundi, ouais. Lundi, au pire, on fait colo, tuto colo et jeu. Comme ça, je suis toute la journée avec vous. Et puisqu'on a bientôt fini, en fait, dès qu'on a fait le fond là, il reste l'herbe, les buissons, bah, les petits détails là. Le sable, l'arc-en-ciel, les briques. Et les gouttes, elle est quand même. Ah bah nickel, comme ça on pourra faire ensemble. Vu que ce sera pour moi la première technique, du coup on pourra. Au pire, tu vois, on le met à part parce que je suppose qu'il faut le sécher. Ouais, je sais, mais. Ouais, je sais pas, je vais essayer. Ça sèche vite, bah ouais, au pire, toi, au pire, on fait ça, bah, je veux dire la base, on le met de côté et puis on passe à toi, à notre truc. Voilà, je suis encore désolé pour ce live de caca. Je vous ai fait un petit bêtisier, tout est cassé la gueule. Moi qui dessine comme un. Qui a fait l'aquarelle comme un bébé. Ouais, je crois que celle-là, il sera. Je vais pas mettre un rediff sur YouTube. Je sais pas après, j'ai toujours dit que j'allais tout garder. Mon Ben. Je suis con, tu le sais. Vous en pensez quoi? Je devrais quand même le poster pour pas oublier quand même. Parce qu'après la vidéo elle disparaît. Hein. Non, je vais quand même la garder. Par contre, je vais pas mettre partie, tu vois. J'ai marqué tuto colo partie en. partie en kata. Et je ferai plus les jours, je ferai la partie 31 lundi. Du coup, ouais, il y aura la. Du coup. Plutôt colo bêtisier, ouais, voilà. Parti en cacahuète. Ce qu'il ne faut pas faire. Carrément. Cacahuète, ouais. Voilà, ça sert à rien que je change maintenant, de toute façon, dès que j'aurai fini, il va se remettre comme j'ai mis au début. Mais du coup, ouais, j'ai marqué tuto colo et fait n'importe quoi. Partie cacahuète. Oh non, je vais mettre ça, c'est marrant. Oh là là. Et du coup, on refera. Tu vois, j'ai dû encore bosser. Grave. Ouais, du coup, dimanche soir, on fait les Sims, j'allais dire. Animal Crossing avec la mise à jour et le DLC. Du coup, lundi, ouais, colo matin, tuto colo et jeu. Du coup, Monster Hunter. Mardi, ça sera. Bah colo aussi, je verrai si je fais un tuto. Je verrai bien. Mais sinon c'est en tout cas c'est sûr, c'est colo et jeu. Mercredi, bah vu que je vais voir ma famille, c'est que au soir. Et jeudi matin. De quoi je suis sûre, Kat?
Ma 4, est... j'ai déçu 4. 4, elle croit plus en moi. Non. Eh, mon doudou, c'est vrai. Non, si, faut. Je vais passer un bon week-end avec ma famille, là, ça va faire du bien, je vais bien me reposer. En plus, avec ma mère, bah, je serai chouchoutée. On fera des bons petits plats. C'est parce que, puis en plus, en ce moment, je sais pas, je dors super mal. Moi qui dors comme un bébé, non. Normalement, moi qui dors comme un bébé. J'ai normal. Oh, mes chouquis. Je vous souhaite un bon week-end. Je vais vous laisser. Je crois que je vais aller faire une petite sieste. Je vais faire mon sport, mais bon. On dit, on le fait ou pas? Et toi aussi. T'as bien raison. Des gros bisous, Kat. Et plein de petits cœurs. Et bon pain à toi. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait du pain. Bon, je vais quand même faire un peu mon sport, je trouve que ça me fera du bien. Ça va m'évacuer tout ce tracas dans ma tronche. Bah, allez. Des gros bisous, mes chouquis. Je fais plein de petits cœurs. On se revoit. On se revoit là, dimanche soir pour Animal Crossing. Fais un marathon. Oui, bien sûr. Je fais un marathon jusque chez toi. Merci, Mamandine. À toi aussi, un bon week-end. Je vous kiffe, mes chouquis. Et désolé encore pour cette. Pour ce catastrophe. Je me rattraperai lundi, promis. Ouais, bah c'est mon homme en fait qui m'épuise. Non, ça va me faire du bien le week-end. Au repos avec ma famille, ça va faire du bien. Je vous kiffe mes chouquis. À dimanche soir. Bon week-end et plein de bonnes choses. Et gardez le sourire, mes chouquis. Je vous kiffe.